Vous avez vu cet homme? C'est avec lui que Robert, en ce moment même, est en train de conclure une affaire de première importance. Ils avaient tous les deux rendez-vous à Paris. Il vous a reconnu? Je ne sais pas. Je vois que Robert ne prend même plus le temps de prévenir ses comparses. Et je n'ai plus la force de le confondre. Je suis fatiguée. Fatiguée de tous ces mensonges. Peut-être ma faute. Une femme délaissée qui se complaît dans son chagrin creuse sa propre tombe. Je devrais m'y prendre autrement. Est-ce qu'il vous parle de cette Rachel? Ne me répondez pas. Robert est aussi votre ami. C'est pas la signature de Gilberte, je la connais. Mais si c'est Gilberte, j'oublie. Regardez, là, c'est un A, pas un G. Mais non, Françoise, vous dites ça pour m'embêter. Je dis ce que je vois. C'est un A, et ici, c'est un N. Mais non. Mais si. Et non. C'est bien gentil de me faire porter des roses tous les soirs. Au début, je trouvais ça charmant, mais enfin, au bout du 20e bouquin, on commence à se poser des questions. On se dit que ces roses cachent sûrement quelque chose. Quelque chose de louche. Et je suis pas du genre à prêter l'oreille au ragot, mais... Il y a toujours un bon ami qui vous dit « Méfie-toi de Robert, il se ment à lui-même, il ment à tout le monde. » Il n'y a qu'une chose qui peut pas mentir, c'est quand on le surprend avec Morel. Ah là, son regard amoureux peut tromper personne. Je sais pas. J'arrive pas à y croire, moi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous? Vous pensez que je suis folle d'aimer cet homme? Oh, des fraises à l'éther. Ça, c'est comme un baiser à la neige. Merci. Avez-vous lu la critique du Figaro? Nous avons eu cette semaine une fois de plus la preuve que ce sont bien les arts qui secouent, réveillent et font avancer la société. C'est bien. Le scandale provoqué par la présentation de la profanation met de nouveau l'accent sur l'impact que peut avoir une œuvre sur son public. C'est drôle.
t'en vas déjà? J'ai rendez-vous. Et je peux savoir avec qui? Je suis des cours d'algèbre en ce moment. Je t'avais pas dit? Je croyais qu'on dînait ensemble. Une autre fois, hein? Je me dis. Je me dis que si un jour j'apprends que tu me trompes, je te quitterai immédiatement. Tout le temps qu'on restera ensemble, je veux que tu me sois fidèle. Une fidélité absolue. On va commencer par là, parce que tout commence là. Tu parles toute seule? C'est à toi que je parlais. À moi? Et qu'est-ce que tu me disais? C'est un secret entre nous. Et les secrets, ça ne se répète pas. Comment s'est passé ton cours d'algèbre? J'aurais préféré passer l'après-midi avec toi. Charlie? Oui. Qui est cette femme? C'est une longue histoire. Quelqu'un m'a supplié de lui procurer une photographie de cette jeune comédienne. Un admirateur? Un futur amant? C'est une histoire sans intérêt. Je compte sur toi, Marcel. Je sais que Gilberte te fait confiance. Tu trouveras mieux que moi les mots pour la persuader de mon amour. La femme que j'aime aussi. Mais je l'aime moins que Gilberte, bien sûr. Et pourtant, elle me donne tellement de preuves de sa tendresse. Figure-toi que je suis le premier. Tiens. Lis cette lettre. Elle m'écrit qu'il ne peut y avoir de bonheur pour elle qu'avec moi. Qu'avant moi, il n'y avait personne. Personne dans sa vie. Gilberte. Qu'est-ce qu'elle fait, Gilberte? Gilberte?
Ah, je sens que je vous dérange. Non, pas du tout, nous parlions de la guerre des Balkans. Je vous propose de poursuivre votre conversation à table, le dîner servi. Pardonnez-moi, j'ai dû prendre froid. Pourquoi me regardez-vous ainsi? C'est la coiffe qui vous étonne? Comment c'est vous? Ça ne vous ressemble pas du tout. Si je me ressemble trop, vous ne me voyez plus. Allons, ne faites pas cette tête-là, je me sens d'excellente humeur. Profitez-en. Venez, mon ami. Je voudrais vous montrer quelque chose. Vous vous rappelez de ce fâcheux incident? Je sais que vous m'en avez voulu pendant longtemps. Mais ce n'est rien, j'ai fait ce que je devais faire. Voilà, la tasse est réparée, ainsi que toutes celles qui ont été cassées par d'autres.